à t'orienter là où le Seigneur veut que tu t'orientes, de manière à ce que tu puisses faire quoi? Tu puisses être aligné. Voyez, tu es aligné tout droit sur ce que Dieu a, pour que tu reçoives de Dieu. Mais dans la disponibilité, pas voilà, mais dans la disponibilité, c'est ton ouverture. Tu peux être orienté là où le Seigneur te demande de t'orienter. Sauf que quand tu n'es pas disponible, là, tu es fermé. Donc, tout simplement. Donc le Seigneur peut te donner. Voyez, tu es bien aligné dessus. Sauf que ça ne peut pas passer. Pourquoi? Tu n'es pas disponible. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. C'est-à-dire que tu es là parce qu'on dit d'être là. Mais en réalité, ton esprit est ailleurs. Être disponible, ce n'est pas une question de tu es là. C'est une question de ton cœur est là. C'est pourquoi la disponibilité parfois n'a rien à voir avec être là physiquement. Vous savez, vous ne pouvez même pas être là physiquement pour quelqu'un. Mais la personne peut sentir que vous êtes allié. C'est des fois, par ton frère, par ton ami, qui te dit, je suis avec toi. Dans ce que tu es en train de traverser, je suis avec toi. Il n'est pas là, mais tu sais, par rapport à ce qui vous lie, que la personne est avec toi, c'est un réconfort. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, je m'en vais vers le Père, je ne vous laisse pas orphelin, je serai toujours avec vous. Jésus est disponible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je l'explique? Quoique il n'est plus physiquement là, mais le Saint-Esprit qui le représente, chaque fois que tu invoques Jésus, le Saint-Esprit est là pour te dire que Jésus est disponible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc comment toi tu prends ta disponibilité vis-à-vis de Dieu? Il est allé sur 18 ans. Allons-y, on va voir ce qui se passe là. Que des fois, on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. On dit, oh, laisse le monsieur. Elle le distrait un peu. Il est venu deux, trois fois, son cœur s'est... Non, tu peux venir deux, trois fois, ça va plaire au prophète. Amen. Mais ensuite, quand tu retournes, lui, il est tranquille parce qu'il a déjà réglé le problème avec le démon. Mais qui va souffrir après? Ok. Regarde ce que la Bible dit ici. J'ai dit, psaume 18... Et je vais commencer à lire à partir du verset combien? Il dit avec ceux qui... Ok. On va commencer à partir du verset 21. À partir du verset 21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est bon, Dieu dit avec celui qui est bon, je me montre bon. Avec l'homme droit, j'agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, je me montre pur. Mais avec le pervers, j'agis selon sa perversité. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit dans sa parole ici? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Dieu dit, si tu es correct avec lui, il est correct avec toi. Mais si tu veux te montrer plus intelligent que lui, il va te montrer qui a mis, comment dit le prophète là, sucre. Il va te montrer qui a mis sucre dans l'orange. Pourquoi l'orange est sucré et puis après, tu n'as pas vu comment le sucre est arrivé dedans. C'est important que vous puissiez comprendre cette dimension dans la relation avec Dieu. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas et ils disent que non, affaire de Dieu là, c'est bizarre, nous avons. On ne t'a pas menti. C'est que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. J'ai dit, tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Ok. Qui a un téléphone portable? Qui a un téléphone portable? Ok, maman, fais. Éteins l'écran. Bon, tu te vois dans le téléphone. Ok. Essaie de saluer l'image que tu vois. Qu'est-ce qui se passe? L'image répond. Si tu souris à l'image, l'image te sourit. Alors, le problème, c'est que la Bible dit que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc, entre ce que nous voyons ici et nous, qui est Dieu et qui est l'image? Ça, c'est nous.
et voilà Dieu. Ok. Donc, si je veux me voir, j'ai besoin de voir quoi? J'ai besoin de voir simplement ma façon d'être pour voir comment Dieu sera. Il dit, selon moi, ma façon d'agir, je provoque lui sa façon d'agir. En réalité, ça veut dire que si dans le miroir, je me vois en train de sourire, ça veut dire que l'image qu'elle envoyait est en train de sourire. C'est quelqu'un qui comprend ça. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Mais c'est simple parce que chacun d'entre nous a un miroir chez lui à la maison. Et le jour où tu te vois en train de sourire et que l'image dans ton miroir est énervée, c'est qu'il y a un grand problème dans ta maison. Ce jour-là, appelle urgentement le prophète. Il faut qu'il y ait une délivrance spéciale sur ton miroir. Quel est ce miroir où tu es en train de te maquiller et le miroir se perd? Soit c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre. Qui est avec toi? Le jour là-bas, tu as fini des moments. D'abord, la première chose que tu as cherché à faire, c'est de regarder derrière toi s'il n'y a pas. Parce que normalement, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu dois avoir dans le miroir là-bas. Mais pourquoi nous ne faisons pas ce que Dieu veut et nous voulons voir dans notre vie ce que Dieu fait? Comment nous expliquons ça? C'est de la sorcellerie. C'est une dimension aussi. Parce que tu veux moissonner là où tu n'as pas semé. C'est un principe. Il dit, avec celui qui est fidèle avec moi, j'agis en fonction de sa fidélité. Mes amis, voilà un secret des personnes qui apprennent à s'asseoir. Les personnes qui apprennent à s'asseoir savent que rien ne vient d'en haut si rien n'est monté d'en bas. Tu fonctionnes, tu comprends comment Dieu fonctionne. Alors tu vas comprendre que si dans une région il pleut beaucoup, il y a deux facteurs. Soit il y a l'eau quelque part, soit il y a les arbres. Parce que la pluie tombe en fonction de la vapeur qui monte. Ce sont les vapeurs d'eau là qui vont se condenser pour devenir des nuages. Et ces nuages là vont provoquer maintenant la pluie. Comment tu fais monter la vapeur par ton attitude? C'est la vapeur de ton attitude, la vapeur de ton adoration, la vapeur de ta consécration à Dieu. Le fait que Dieu te voit là, en train de te disposer à former une armée qui va réellement être dans cette région-là, la représentante, l'ambassade permanente de Dieu, qui va renverser les œuvres des ténèbres. En ce moment-là, qu'est-ce que Dieu aura fait? Dieu aura touché un prophète, et ce prophète aura suscité des disciples, et ces disciples, à leur tour maintenant, vont devenir le bras de Dieu pour opérer encore plus fort. Mais ça servira à quoi? Que Dieu appelle un prophète et que ce prophète fasse l'œuvre de Dieu, mais ne puisse pas réussir à s'investir dans les personnes. L'œuvre va mourir. Quand Dieu a appelé Moïse, il a vu Josué. Quand Dieu a appelé Élie, il a vu Élisée. Quand Dieu a appelé Moïse, il a vu Josué. Quand Dieu a appelé Élie, il a vu Élisée. Quand Dieu a appelé le prophète Grasso, qui l'a vu? Qui l'a vu? Est-ce que c'est toi qui l'as vu? Ou bien tu es dans ma vue? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il t'a délivré de quelque chose. Il t'a libéré de quelque chose pour te conduire jusqu'à la montagne. Tu as un but à atteindre. Il a parlé à ces personnes, opéré des miracles, mais il les conduisait quelque part. Le but de ta délivrance, c'est pas ta délivrance. La raison de ta libération, c'est pas ta libération. La raison de ta libération, c'est l'accomplissement de la destinée. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et donc la troisième étape, lorsque nous devenons disciples, je l'ai dit, première chose, discipline, deuxième chose, disponibilité. La troisième chose, c'est la disposition. Être disposé. Être disposé. Amen. J'ai dit quoi? Être disposé. Être disposé veut dire quoi?
Je dis, je suis disposé. Ça veut dire quoi? Je suis... Tout le temps, ça se rapporte un peu à la disponibilité. Mais la disposition, je dis disposé. Encore le fait bouger. Ils sont prêts. Hein? Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que la formation te fait du bien? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Est-ce que tu comprends maintenant que Dieu a permis que tu entres en contact avec l'homme de Dieu de cette façon? Non seulement pour que Dieu règle le problème dans ta vie, mais non seulement qu'il règle des problèmes dans ta vie, mais en fait, que ces problèmes soient réglés pour que toi aussi tu peux en disposer. De tout Dieu qu'il est, écoute-moi très bien, de tout Dieu qu'il est, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est s'adonner. Oui, il ne peut pas s'adonner, il ne peut pas se servir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a besoin des hommes. Je vais vous expliquer quelque chose de très profond. Dieu a besoin des hommes, mes amis, vous savez pourquoi? Parce que les anges ne font pas exactement ce que Dieu fait. Je parle. Les anges sont parfaits. C'est un problématique. Ils ne savent pas, c'est parce qu'ils sont parfaits qu'ils font ce qu'ils font là. Mais s'ils n'avaient pas cette perfection, est-ce qu'ils le feraient quand même? Parce qu'il y a eu un problème, je vous ai expliqué ce qui est dans les rapports avec moi, la dernière fois. Qui était là-bas? Qui a assisté au programme? J'ai expliqué qu'il y a eu une rébellion dans le ciel et que les anges qui ne voulaient pas se soumettre à Dieu sont descendus et que ceux qui sont restés sont ceux qui ont voué une fidélité éternelle à Dieu. Et ça ne peut plus changer. Il n'y a pas un ange de Satan qui peut se convertir aujourd'hui. C'est plus possible. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Il y a même un démon qui peut dire aujourd'hui: oui, Seigneur Jésus, je t'accepte. Je veux retourner. C'est fini. Comment je suis en train de l'esprit. Mais Satan et ses démons le savent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils savent que le lieu des tourments est préparé pour eux. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les hommes. L'enfer a été préparé pour les démons et pour Lucifer. Ce n'est pas un endroit qui a été prévu pour l'espèce humaine. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable ne veut pas y aller tout seul. Alors, il essaie de lancer un grand recrutement, c'est un casting. Et dans ce casting-là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de trouver des personnes qui ne ressemblent pas du tout à Dieu. Est-ce que vous voyez le casting? Or, si tu ne ressembles pas du tout à Dieu, c'est que tu ne ressembles pas avec le diable. Parce qu'il y a deux royaumes, il y a deux systèmes. Le prophète le disait tout à l'heure. Il n'y a pas trois, il y a deux systèmes. Soit tu es avec Dieu, soit avec le diable. Il n'y a pas un intermédiaire. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre disposition, c'est notre capacité à rester exactement sur la frontière qui ne nous permettra pas de basculer de l'autre côté. C'est ça la disposition. Être disposé. Je suis disposé, je suis prêt. Prêt veut dire quoi? Prêt veut dire que je suis Dieu sans perdre le Seigneur d'un seul regard. Je le suis. Et c'est ce qu'il a dit aux disciples. Il dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. On est ensemble? Qui est avec moi? Qui arrive à suivre ce que je suis en train de penser? Mes amis de Déo, je suis avec vous. Hein. Si vous êtes là, acclamez le Seigneur que je vois. C'est bon. Je sens qu'il y a le vrai disciple aussi Déo là-bas. Alléluia. Amen. Donc suivez-moi bien. Il dit, quand il trouve Pierre et André dans la barque, il dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi à deux dimensions ici. Suivez-moi veut dire: regarde-moi. Si je dis: est-ce que tu as suivi l'émission du prophète hier à la télé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire: regardez au moment où ça passait. Tu n'as pas regardé après, tu n'as pas regardé avant, mais au moment où ça se passait. Donc, suivez-moi. Traduis l'idée de ne pas perdre de vue une personne. Vous comprenez?
regardez la personne. Vous comprenez ce que je vous explique? Quand vous regardez quelqu'un, vous commencez à faire attention à cette personne. Quand vous regardez quelqu'un, vous commencez à remarquer les faits, les détails qui concernent la personne. Si on dit, est-ce que toi-même tu me regardes? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu fais attention à moi? Est-ce que tu te préoccupes? Est-ce que tu suis? Ça traduit aussi l'idée de distraction. Écoutez-moi très bien, mes amis. Lorsqu'on parle de se disposer, ça veut dire que tu ne dois pas te laisser distraire. Il y a beaucoup de distractions. Il ne faut jamais oublier qui a été le canal que Dieu a utilisé pour te sortir de là où tu es. Il y a trop d'ingratitude dans cette affaire. Et ça brise le cœur de beaucoup d'hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont brisés, abattus. Parce qu'on oublie vite par qui tu es passé pour faire dans notre vie le travail de Dieu. On dit non, c'est le Seigneur. Moi, c'est le Seigneur que je connais. Okay. C'est le Seigneur que tu connais. Il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas de bras. Dieu est esprit. Dieu est un esprit. Et donc, pour que l'esprit de Dieu se manifeste, il a besoin d'un corps physique. C'est la même chose, comprenez? Vous savez, moi je pense qu'à partir du moment où Dieu vous a mis dans un ministère qui est une brigade anti-sorcier, votre compréhension du monde spirituel doit être très sensible. Parce que c'est tic-tac. Quand tu comprends ce qui s'est passé dans ton spirituel et que tu es rentré, c'est pour ça que les musulmans, quand ils se convertissent, ils ont une adoration de Dieu dans laquelle il n'y a pas de jeu, on tergiverse pas beaucoup. Un féticheur qui s'est converti, laisse tomber. Il y a des choses. Il ne discute pas trop dedans. S'il comprend le fonctionnement du monde spirituel. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris ce que c'est que le monde spirituel. C'est pour ça que peut-être qu'à la prochaine session, je vais parler des principes du monde spirituel. Je vais donner des détails très précis. Pourquoi il faut honorer nos dîmes, pourquoi il faut honorer les offrandes, pourquoi il faut jamais venir en face des serviteurs de Dieu les mains vides. Vous allez comprendre le secret de l'alliance qui se trouve dans les offrandes. Pourquoi arriver à un stade, vous devez comprendre que Dieu est suffisamment Dieu pour bénir son serviteur, pour ne même pas avoir besoin de vos dîmes et de vos offrandes. Comprenez ça très bien. Mais si vous arrivez à ce stade, en même temps aussi spirituellement, vous avez fermé les écluses des cieux sur votre vie. Puisque Dieu a investi sa puissance en quelqu'un, et qui devient maintenant le canal par lequel lui, Dieu, il passe pour vous bénir. On est d'accord? Amen. Maintenant, vous, par qui vous passez pour bénir Dieu? Expliquez-moi ça. Dieu, qui est Dieu, il trouve important d'utiliser un canal pour bénir les hommes. Maintenant, les hommes veulent aller bénir Dieu. Les hommes veulent aller bénir Dieu. Parce que quand tu as reçu la bénédiction, quand tu as reçu la grâce, tu rends grâce. C'est pour ça qu'on parle d'action, de grâce. C'est pas que tu as reçu la grâce que tu veux rendre pour dire, Seigneur, je reconnais. Maintenant, la grâce, là, tu as reçu ça par qui? Exactement le canal par lequel Dieu est passé. Maintenant, pourquoi au moment de rendre grâce, tu cherches maintenant? Le problème d'ingratitude. Ça veut dire que ton cœur se ferme à la grâce. Or, là où le cœur est fermé à la grâce, automatiquement la grâce ne coule plus. En fait, je vais vous expliquer le processus. Celui qui entretient son action de grâce ouvre la voie, il débouche constamment le canal par lequel la grâce coule. Quand vous recevez la grâce de Dieu et que vous rendez la grâce, vous êtes en train d'entretenir le canal. C'est comme un tuyau d'arrosage. Si le tuyau est bouché, même si on envoie l'eau, est-ce que vous allez recevoir? Non, vous ne recevez plus. Pourquoi? Le tuyau est bouché. Alors vous avez besoin d'utiliser un morceau de bois ou un truc comme ça pour déboucher. On est d'accord? Et une fois que c'est débouché, le même tuyau peut encore servir à arroser. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé. Parce qu'il aura créé le canal de son arrosage. C'est simple. Ne vous embrouillez pas sur les questions de montant, de chiffres. Non, ne rentrez pas dedans. Tout ce que vous cherchez à faire, c'est de maintenir votre canal ouvert. C'est pourquoi le Seigneur parle d'écluse des cieux. L'écluse des cieux, ce n'est rien d'autre que ce tuyau spirituel qui rattache le ciel à ta vie. C'est un tuyau qui est ouvert, c'est un canal.
C'est une voix qui part du ciel à ta vie et de ta vie au ciel. Et ce canal-là qui est ouvert sur quelqu'un. Remarquez bien, la Bible dit dans Genèse, quand les anges montaient et descendaient sur une pierre. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob à Péniel? Les anges montaient et descendaient, mais sur une pierre. Les anges n'ont pas touché la terre, ils ont touché une pierre. Bon, la Bible nous dit très clairement dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 1, que nous sommes tous des pierres vivantes, nous qui servons le Seigneur. Ça veut dire que les anges sont descendus sur qui? Sur les serviteurs. Même le ministère des anges s'appuie sur les serviteurs. C'est pourquoi remarquez bien, lorsque l'ange de Dieu apparaît aux parents de Samson, Manoah et sa femme, Manoah dit, si tu es réellement l'ange de Dieu, reste là, je penche moi à la maison et je ramène un principe sur lequel tu vas monter. C'est l'autel. Vous voyez, l'ange a attendu. Et il a bâti l'autel et la Bible déclare qu'il est monté sur les flammes de l'autel. Cet autel aujourd'hui n'est plus un autel mondain, païen. Cet autel aujourd'hui, c'est le ministère dans lequel tu es. C'est simple. L'autel, c'est le ministère dans lequel tu es. Tu veux bénir Dieu? Tu veux glorifier Dieu? Dis à l'homme de Dieu, attends. Je pars, je reviens. Je sais où tu m'as parlé. Pourquoi Manoah n'est pas allé chez lui à la maison pour que l'ange apparaisse là-bas? Manoah est revenu sur le lieu où il a reçu la révélation. Et l'ange l'a attendu là. L'ange ne s'est pas déplacé avec lui. Quand bien même que l'ange était venu pour apporter une bénédiction, mais il y avait un lieu qui servait de point de contact. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Être disposé, c'est ça. C'est être prêt, attentif. Je sais où je vais. Parce que c'est facile. Il y a des gens qui n'aiment pas le travail de débroussailler. Mais ils savent reconnaître un terrain qui est propre. Oui. Il ne va jamais voir que Dieu va t'élever quand le démon est dans ta vie. Mais il y a quelqu'un qui va faire ce travail de nettoyage, qui va faire la délivrance, qui va jeûner et tout ça. Et quand maintenant tu es délivré, alors maintenant tu deviens un fidèle avec qui Dieu va accomplir de grandes choses. Est-ce que le prophète Kasso, c'est un prophète du village. Je vais te conduire dans les hautes sphères. Rien ne descend en haut si rien n'est monté d'en bas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas de suite dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas d'où vient la situation dans laquelle ils sont. Si vous n'avez pas d'origine, vous êtes perdu. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, on dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Mais c'est valable dans le monde spirituel. Il y a une source à laquelle Dieu vous a connecté. N'essayez pas de vous laisser distraire. C'est ça, être disposé. Alors la deuxième chose importante, c'est que le Seigneur dit, suivez-moi. Suivez-moi aussi, ça veut dire, toi tu t'en vas dans cette direction, n'est-ce pas? C'est pas grave, ça, tu vas entendre. Papa, vas-y comme ça. Avance, voilà. Vas-y, moi je te suis. Donc, qu'est-ce que je fais? Suivre aussi, c'est aller après quelqu'un. C'est voir là où la personne est en train de partir et puis marcher dans ses pas. Donc, je ne veux pas perdre les traces des pas du Seigneur. Donc, quand je dis que je suis Christ, il y a les empreintes de Christ. Et l'empreinte de Christ, c'est un serviteur. Si tu entendais, tu allais acclamer Jésus. L'empreinte de Christ, c'est un serviteur. Donc si je ne veux pas perdre Christ de vue, je dois regarder maintenant l'empreinte de ses pas. Il a dit, je m'en vais au Père. Et vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Si vous croyez en moi. Donc Christ s'investit en un serviteur de Dieu. Si tu suis les pas. Écoutez, c'est parce que parfois on veut regarder le visage des gens. C'est pour ça qu'on se décourage. Le visage a plusieurs expressions. Les pieds n'ont pas beaucoup d'expressions. Les pieds n'ont que des traces. Et Seigneur, aide-moi à expliquer ça à quelqu'un. Tu sais ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire, ne cherche pas à regarder les émotions
ne cherche pas à regarder les joies, les peines, cherche à regarder les traces de l'homme de Dieu. Il n'a pas dit de regarder le visage de quelqu'un, il a dit de regarder ses pas. Il dit, suivez-moi, et moi maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vous ferai. Beaucoup de personnes cherchent à se faire elles-mêmes. Ça, ça ne fait pas partie de ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne, c'est que si tu suis le Seigneur, si tu l'es disposé, si tu l'es disponible, si tu l'es discipliné, tu lui donnes maintenant la capacité de te faire. Parce que ces trois choses agissent de la même manière que, comment vous appelez cela, avant qu'on opère une personne, qu'on injecte à la personne, comme une anesthésie. Est-ce que vous savez pourquoi le médecin il vous met l'anesthésie? Pourquoi il met l'anesthésie? Pour ne pas que vous sentiez le mal. Mais lorsque vous allez sentir le mal, si vous n'étiez pas anesthésié, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez empêcher le médecin de faire son travail. Vous savez, mais pourquoi tu me coupes ici? Tu vas trop parler dans son affaire. Tu vas commencer à bouger. Même la vue du sang peut t'effrayer. Et tu ne vas pas laisser le monsieur faire son travail. Vous savez, c'est exactement ce que le Seigneur cherche quand il cherche des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui ne dérange pas le Seigneur et qui laisse le Seigneur faire, qui laisse le Seigneur s'investir en lui. Est-ce que tu veux laisser le Seigneur s'investir en toi? Est-ce que tu veux qu'il fasse exactement dans ta vie ce qu'il dit dans sa parole? Sa parole est vraie, ça n'a pas changé. Il déclare en Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. » La chose la plus dramatique dans ce monde, c'est que tu saches que tu as un avenir, mais que tu n'aies pas d'espérance dans cet avenir. C'est ça qui provoque le suicide. Le suicide ne vient pas de ce que tu vois aujourd'hui. Le suicide vient de ce que tu vois aujourd'hui là. C'est ça que tu vas voir se répéter demain. Alors tu t'es dit, si c'est ce que je vis aujourd'hui que je vois demain, pourquoi voir demain? En fait, se suicider veut dire mettre fin à son avenir. Se suicider, ce n'est pas mettre fin à son présent. On meurt. On se donne la mort aujourd'hui parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on voit aujourd'hui là, se répéter demain. Et Dieu dit, je te donnerai un avenir. Mais non seulement tu auras cet avenir, mais tu auras une espérance dans cet avenir. Parce qu'il y a quelque chose de bon que j'ai décidé de faire pour toi. Donc si tu es un réel disciple de Christ, tu ne peux pas avoir un esprit suicidaire. Ce n'est pas possible. Parce que tu as une espérance. La Bible est claire, Romains 8, à partir du verset 28 et 30. Il dit, oh, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu. Amen. Mais comment tu peux appeler espérance ce que tu vois? C'est ce que tu ne vois pas que tu peux espérer. Et si vous comprenez, alors vient maintenant la foi, que tu fais l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu veux commencer à expérimenter le surnaturel et expérimenter l'extraordinaire, ferme les yeux. Pour ne pas te laisser distraire par ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, c'est vrai, c'est la réalité. La vie est dure. La vie est chère. Quoi d'autre encore? Après la crise, tout est compliqué. DDR, RDDR, quoi encore? On démobilise, on fait quoi encore? On désarme, on réinsère, on désinsère, on... Laisse le vocabulaire du monde et commence à conjuguer et à t'exprimer avec le vocabulaire du royaume. Dans le vocabulaire du royaume, il n'y a pas de crise. Celui qui est en Christ ne connaît pas la crise. Si vous comprenez ce que ça veut dire, parce que vous ne marchez pas selon les principes de ce monde, mais vous marchez selon les principes de la parole de Dieu. On est ensemble? On est au verset 3 de Jean chapitre 6. Et on doit aller jusqu'au verset 13. On n'est qu'au verset 3. Et là, il est 21. Trois versets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es encore là? Amen. Qui est déjà fatigué? Qui est déjà fatigué? Bon, tiens-toi debout un peu et puis toi, t'es tiré avec moi. Parce qu'il faut que j'arrive là où on... Le thème, le verset même de d'appui, on n'est pas encore arrivé là-bas. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est pas facile. Il y a un prix. Amen.
Waouh. Ça va? Bien ici. Ok. Remarquez dans cette vie, si vous prenez le processus de l'école par exemple, vous verrez que les personnes qui mettent moins de temps à l'école, les personnes qui mettent moins de temps à l'école, recherchent plus que ceux qui mettent plus de temps à l'école. Ceux qui mettent plus de temps à l'école, à se former, à avoir un bagage, il y a des avantages maintenant qu'ils les cherchent. J'ai dit quelque chose. J'ai dit que ceux qui mettent moins de temps à l'école cherchent des avantages. Mais ceux qui mettent plus de temps à l'école, ce sont les avantages qu'ils les cherchent. Vous voyez, quand quelqu'un a un bagage, il ne cherche plus à acheter une voiture. On cherche à mettre une voiture à sa disposition pour qu'il fasse son travail. Il ne cherche plus à avoir une maison, mais on cherche à lui donner une maison pour qu'il fasse son travail. Pourquoi? Parce qu'il a investi dans sa formation. Il a investi dans le bagage qu'il doit avoir. C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui cherche à gagner sa propre vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie, vous savez, perdre sa vie, c'est souvent perdre son temps à écouter la parole de Dieu. Alors que ce temps-là, tu aurais pu l'utiliser pour faire autre chose. Vous savez, les choses du Seigneur sont simples. Mais vous allez voir, nous sommes en train de faire cette formation. Vous remarquez les personnes qui seront fidèles, qui seront disposées, qui vont prendre des notes. Remarquez ces personnes-là. Elles ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Regardez seulement. Avec vos yeux. Ça, ce n'est pas une prophétie. Mais regardez avec vos yeux. La vie elle-même montre que ceux qui savent recevoir les choses de Dieu sont celles qui sont capables de mieux rendre les choses de Dieu. Regardez le sol. Si vous avez un sol qui est dur, que vous semez quelque chose dedans, ça ne rend pas. Ça ne donnera rien. Mais si vous avez un sol qui est poreux, dès que vous mettez quelque chose, ça va en profondeur. Ne soyez même pas pressé. Arrosez ou n'arrosez pas, ça va pousser. Pourquoi? Parce que la terre elle-même est prête à accueillir, est prête à recevoir. Amen, amen, amen. Amen. Retournons dans notre test. On va aller très rapidement. Mettre une pause. De toutes les façons, demain matin, je serai encore avec vous pour continuer cet enseignement. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Ah, si ça te fait du bien, je te que Dieu te bénisse. Nous sommes au verset 4 et nous allons nous arrêter au verset 10 et puis demain nous allons continuer verset 10 au verset 13. Vous savez, ce texte-là, on peut le faire en 3 jours d'enseignement pour vous faire comprendre les vérités de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, l'apôtre Paul enseignait toute une nuit. Et jusqu'à minuit, il y avait un jeune homme du nom d'Éticus. Il ne restait pas tranquille, il s'asseyait sur le mur. Vers minuit, paf! Il est tombé, il s'est évanoui. Vous comprenez? Quelqu'un qui a enseigné depuis le matin qu'à minuit. Éticus, il a perdu ses repères. Alléluia! J'espère que tu seras bien Éticus ce soir. Amen! Oh, la Pâque! La fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Amen. Je parle du principe selon lequel nous voulons parvenir à une plus grande maturité pour que notre vie puisse manifester les fruits de Dieu. Pour que nous puissions vivre, nous puissions être la Bible vivante. Pour que les gens n'aient même pas besoin de lire la Bible, mais en regardant notre vie, en voyant notre manière de vivre, en voyant notre manière de nous épanouir, ils s'intéressent à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, nous devons être aujourd'hui l'évangile vivant. Vous voyez, dans la Bible, vous trouvez 4 évangiles, n'est-ce pas? Vous avez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de qui encore? De Luc et de Jean. Mais c'est les personnes qui ont marché avec Jésus et dans la vie desquelles Jésus s'est réellement investi, mais qui ne sont pas limités à recevoir ce qu'ils avaient reçu de Jésus, mais qui ont transmis aux autres ce qu'ils avaient reçu de Jésus. Et si vous lisez bien l'évangile de Jean dans les derniers chapitres, il dit que tout ce que Jésus a fait est tellement grand qu'on n'a pas pu tout contenir. C'est-à-dire même tous les livres de la terre n'auraient pas pu contenir. Mais tu sais, ta vie est capable d'être la suite du récit. Alléluia. Si tu laisses réellement le Seigneur s'investir en toi, ta vie sera la suite de ce récit. Regarde ce qui est écrit ici. Jésus pose la question à ses disciples. Il dit, voilà, il y a un problème. On a besoin de pain pour nourrir 5000 personnes. Où est-ce que nous allons trouver l'argent pour acheter le pain? La Bible dit ceci,
Il disait cela pour l'éprouver. Éprouver veut dire quoi? Le tester. Pourquoi? Pas parce que Jésus attendait que Philippe lui donne l'argent pour régler le problème. La Bible dit qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Vous savez, le simple fait d'entendre cette parole doit te rassurer. Amen. Seigneur, je sais que tu sais déjà ce que tu vas faire. Seigneur, je sais, je suis persuadé que tu sais ce que tu vas faire. Vous savez, des fois, quand Dieu vous donne une vision, quand Dieu vous donne une mission, quand Dieu vous donne un travail à faire, ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. Quand Dieu vous pose une question, ne regardez jamais à ce que vous n'avez pas. Dieu ne vous a pas posé la question par rapport à ce que vous n'avez pas. Il vous a posé la question par rapport à ce que lui il veut faire. Amen. Alors regardez bien le prophète Ézéchiel. Dieu le conduit dans la vallée des ossements. Étant dans cette vallée, Dieu lui pose une question. Mon serviteur, les ossements que tu vois, peux-tu revivre? Ézéchiel a le choix de dire la réalité, de confesser la réalité. Les ossements ne peuvent pas revivre. Il a le choix de dire ce que tout le monde dit. Il a le choix de réagir comme tout le monde aurait réagi, de réagir comme un être humain normal. Mais à un moment donné de ta marche avec Dieu, je t'en supplie, cesse d'être un homme normal. Cesse d'être quelqu'un de naturel. Cesse d'être quelqu'un d'ordinaire. Il commence à vivre, à réfléchir, à penser comme quelqu'un de surnaturel. Il dit, Seigneur, si ces ossements peuvent revivre, toi tu le sais. Je n'ai pas besoin de donner la réponse que moi je connais, parce que tu connais déjà ma réponse. Mais si tu me poses la question, c'est parce que tu n'attends pas une réponse de moi. Je suis moi-même la réponse à la question que tu poses. Est-ce que j'ai parlé à ton esprit? Est-ce que tu veux expérimenter quelque chose de plus grand? Dans lesquelles Dieu n'attend pas que tu répondes. Dieu attend que ta vie soit une réponse. Amen. Seigneur, est-ce que cette région-là, on pourra commencer une évangélisation pour toucher tous les autres villages? Ah, où on va avoir un mauvais tout ça? Tu es sûr qu'on pourrait avoir le camion? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas qu'est-ce que tu vas faire que Dieu cherche. C'est est-ce que tu veux donner ta vie comme un instrument pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de l'expliquer? Amen. Il y a un moment aussi dans ta relation avec Dieu où Dieu procède maintenant par test. Parce que sans test, il n'y a pas d'attestation. Arriver au moment des tests, c'est que tu atteins un grade. Et dans toute dimension de formation, tu ne peux pas passer au niveau supérieur si on t'a pas évalué. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Il y a des situations par lesquelles tu es en train de passer. Dieu n'attend pas que tu sois un super-héros dedans. Dieu n'attend pas que tu sois quelqu'un d'extraordinaire. Il veut voir juste jusqu'à quel point tu crois en lui. Donc, parce que tu as commencé à pleurer là, commence à essuyer vite. Parce que tu es en train de verser le visage de Dieu par terre. Comment le royaume fonctionne? Dieu est le juge. Satan est le procureur. Jésus est l'avocat. Et toi, tu es le condamné. Tu es l'accusé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Bible est claire. Notre adversaire, le diable, il nous accuse jour et nuit. Et ça, c'est le rôle d'un procureur. N'est-ce pas? C'est de charger. De dire tout ce qu'il faut pour que tu sois condamné. N'est-ce pas? Mais tu as un avocat qui est là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui est bon à la croix pour toi. Celui qui entend tes prières. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père le fera. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que l'avocat est le fils du juge. Ah! L'affaire est très intéressante. L'avocat qui te défend, disait qui est ce moment? C'est le juge qui va régler l'affaire. Prophète, le procès n'est pas gagné déjà. Le prophète arrive au tribunal et puis il réalise que c'est son frère même qui est assis là. Bon, là la messe on parle de vous. Faut
comme on dit à Abidjan là. On ne parle plus trop. Sauf que le problème, c'est que le juge là, il est juste. Voilà là où il y a le problème. Il commence à être un peu. C'est vrai que c'est son papa qui est juge, mais ce juge là, il est juste. Donc, c'est sur la base des preuves qu'il répond. Il ne répond pas sur la base de familiarité. Dieu ne fait exception à personne. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne le Saint-Esprit qui est sa pensée. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. La pensée du juge, c'est comment il veut que l'avocat présente le dossier pour que lui, il donne son accord. Vous comprenez? Alors, cette pensée, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, maintenant, il vient lorsque toi, tu es ami à l'avocat. Alors, le Saint-Esprit vient et il t'explique, voilà comment tu dois parler à l'avocat, voilà ce que tu dois m'expliquer, voilà comment tu dois lui dire, voilà comment tu dois m'expliquer. Et maintenant, tu mets l'avocat à l'aise pour que lui, qui va dérouler le dossier devant son père, il puisse dire, tu as quitté. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème de notre relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus et avec Dieu. De cette façon-là, tout ce que le diable dit contre toi est annulé. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus se confond à ta personne. Désormais, ce n'est plus toi qui as fait quelque chose. C'est l'avocat lui-même qui se substitue au dossier. C'est comme si l'avocat, c'est lui qui avait commis la faute et qui avait réparé la faute. Lui-même, il a commis la faute. Il a réparé la faute et il vient maintenant pour expliquer comment il a réparé la faute. Donc toi-même, là, tu ne parais même plus devant le tribunal. Tu es caché dans la soutane. Oh. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce qui fait que parfois le diable réussit à nous atteindre et à nous accuser, c'est qu'on a tendance à sortir. Parce que l'une des erreurs que nous commettons quand nous commençons à marcher avec le Seigneur, c'est de nous familiariser avec lui. Vous voyez, la routine tue notre relation avec Dieu. À force d'être habitué à la présence de Dieu, on finit par oublier que c'est lui qui est Dieu. On finit par oublier que même si ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est dans le Seigneur, il demeure toujours Dieu. Amen. Vous voyez, il dit même si on avait beaucoup d'argent, on ne peut pas. C'est ça qui parle. Il parle à Jésus. Il parle à Jésus qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui ressuscite les morts. Il dit Jésus, même si on a 500 deniers, on ne peut pas. Ils sont trop nombreux, trop nombreux. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu penses que ton problème est trop grave pour que malgré la puissance de Dieu, la solution soit maintenant? Est-ce que tu penses que ton problème est trop compliqué? Je vous ai expliqué la dernière fois, non? Quand on est à la veille, là, la femme qui allait voir l'homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu, j'ai un problème sérieux. L'homme de Dieu dit, va en paix, Dieu a déjà exaucé. Elle dit, attention, écoute bien ce que son père te dit. Ce n'est pas le problème des gens. Façon, j'ai dit, j'ai un problème. Elle explique pendant une heure. Dieu dit à l'homme de Dieu, dis-lui, c'est réglé, c'est fait, va. L'homme de Dieu dit à la femme, c'est fait, allez-y madame. Elle dit, hé, hey, la femme a commencé à pleurer. Est-ce que tu comprends même ce que je suis en train d'essayer d'expliquer? Elle est venue ayant dans son esprit que tel que son problème se présente, l'homme de Dieu ne peut pas donner une réponse simple à ça. Même si nous avions 500 000 déliés, ça ne peut pas suffire. Vous comprenez? Alors maintenant, Dieu dit à l'homme de Dieu, tiens, dis à la femme, tu vas faire 21 jours de jeûne, on va te oindre d'huile, tu vas recevoir une prophétie extraordinaire et à partir de ce moment-là, ton problème sera réglé. Quand l'homme de Dieu a commencé à donner cette parole, elle a dit, c'est maintenant que Dieu t'a parlé. Sinon, ton c'est fait le début tu fais là. Dieu ne t'avait pas encore parlé. Vous voyez, ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'elle voulait entendre. Mais sinon, depuis la première minute, Dieu avait déjà répondu à sa prière. Ne cherche pas toi à faire ce que toi tu veux. Ce n'est pas toi qui dois donner l'orientation à Dieu. Dieu sait déjà comment les choses vont se faire.
Amen. 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 Dans 5 minutes, je dépose le micro. La Bible du verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, nous sommes au verset 10 maintenant. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Voyez, c'est de là que je tire le thème de ce soir. Ils disent, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a 5000 personnes. Maintenant, Jésus donne une indication. Il donne une recommandation. Il dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Le secret de ce miracle, pour que tout le monde puisse avoir à manger, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que demain, je vais revenir encore là-dessus. Il fallait que les gens s'asseyent pour que le miracle soit possible. Pourquoi? C'était compliqué. C'était difficile. Quand une situation devient difficile, quand tu passes par une situation difficile, l'une des stratégies que tu dois chercher à avoir pour que la situation vienne à ton niveau, pour que la situation soit réglée, c'est de chercher à vérifier est-ce que tu es assis. Est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es assis ou assise dans ma parole? Est-ce que tu es assis ou assis dans une position dans laquelle le Seigneur peut te retrouver? Est-ce que tu es assise ou assis là où le Seigneur a dit que tu dois t'asseoir? Parce que c'est là où le Seigneur t'a planté là. C'est là que tu peux prospérer. Laissez-moi vous dire que lorsque Luc raconte cette histoire, il nous explique qu'il y a des personnes qui ne se sont pas assises. Alors ce sont ces personnes qui ne sont pas assises dont les pains sont restés. Écoute-moi bien. L'obéissance et la capacité que vous avez à vous soumettre à Dieu détermine aussi la capacité que Dieu a à travailler facilement dans votre vie. Dieu travaille plus facilement dans la vie des personnes qui sont assises que dans la vie des personnes qui bougent. Un jour, Jésus entre dans une maison à Béthanie, il trouve 2 sœurs. L'une d'entre elles s'appelle Marthe et l'autre s'appelle Marie. La Bible déclare que l'une d'entre elles qui s'appelle Marie était assise au pied de Jésus et l'autre qui s'appelle Marthe était en train de bouger dans tous les sens parce que dans son esprit, elle voulait faire à manger au Seigneur. Mais vous devez comprendre à un moment donné de votre vie spirituelle, de votre vie chrétienne, à faire l'essentiel, à faire la bonne chose qui va produire le bon résultat. Ne cherchez pas à toucher à tout. Cherchez à faire, comme l'homme de Dieu disait, cherchez à toucher votre spécialité. Peut-être que vous êtes dans ce ministère juste pour faire l'entretien, pour entretenir, balayer. Et c'est dans ce service-là que votre miracle va s'opérer. Je vous dis la vérité. Zacharie était dans le temple. Il a prié pendant toute sa vie pour avoir un enfant, il n'en avait pas. Et désormais, maintenant, Zacharie s'est mis au service de Dieu. La Bible dit que c'était le tour de la classe des sacrificateurs d'Abia. Et il s'est mis dans les dispositions pour aller adorer son Dieu. Au moment où il fallait monter le parfum, l'ange de Dieu lui apparaît et lui dit, Zacharie, ta prière est exaucée. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Zacharie n'est pas venu prier pour lui. Zacharie est venu porter les problèmes du peuple de Dieu devant la face de Dieu. Mais l'ange de Dieu lui apparaît et lui dit, cette fois-ci, ce n'est pas l'intercession de quelqu'un que Dieu va exaucer, mais c'est ta propre intercession qui est dans ton cœur que Dieu va exaucer. C'est-à-dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, pourquoi? Laisse un peu de côté le problème que tu as. On est tellement focalisé sur notre problème, notre souci. Ça finit par être concentré. On finit par oublier même qu'on est dans la maison du Seigneur. Vous voyez un peu ce que ça fait? On est dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Amen. Est-ce que tu t'es posé un seul instant avec ça là? Les ventilateurs qui tournent. Je ne sais pas, oh mon Dieu, en ce moment, les ventilateurs, tu peux avoir une équipe en langue. Hein. S'ils arrêtent de bouillir en langue, les ventilateurs vont s'arrêter. Non, à la CIE, à la SODECI, et devant le loyer, il n'y a aucun parler en langue qui est puissant. C'est 3 démons puissants contre lesquels le parler en langue, chasser les démons, ne peut rien faire.
La seule chose, c'est de prendre l'argent, d'aller à la CIE, de payer la facture, d'aller à la SODC, de payer la facture, de remettre l'argent au monsieur qui a sa maison. Et puis l'œuvre de Dieu continue. Est-ce que tu n'as pas compris ça? Il y a, tu n'as pas compris ça. C'est comme si tu prends un taxi. Et puis, arrivé là où tu vas, le taxi met, et te regarde, et puis tu commences à dire, baba machin. Soit il va charger pour 5 kilos ici dans tes oreilles, ou soit vous êtes au 5e arrondissement. Écoutez-moi. La Bible dit que c'est ceux qui étaient assis, c'est ceux qui ont obéi aux instructions du Seigneur, qui ont reçu aussi la bénédiction du Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut devoir faire pour que ça déclenche chez lui la bénédiction. La bénédiction vient dans votre vie pour trois raisons. La bénédiction vient dans votre vie parce que la bénédiction est générale. Dieu a béni tous ceux qui lui appartiennent, ou même qui ne lui appartiennent pas. La Bible fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Est-ce que vous savez ça? Voilà, pour qu'il pleuve, tu n'as pas besoin d'intercéder. Si c'est le temps, il pleuvra. Et tu n'as pas besoin d'être bon pour qu'il pleuve sur ta maison. C'est la bénédiction qui est générale. Il y a une deuxième bénédiction qui vient parce que tu as prié et que Dieu a exaucé ta prière. Mais il y a une troisième bénédiction qui vient parce que tu as provoqué Dieu. Parce que tu as provoqué Dieu. C'est ce qu'on appelle la bénédiction des entrailles. Parce que tu as fait quelque chose. Et quelqu'un comme Isaac, il veut bénir son fils. Mais tu le bénis, c'est ton fils. Est-ce que tu as besoin qu'il fasse quelque chose? Mais il ne voulait pas lui donner une bénédiction générale. Il ne voulait pas lui donner une bénédiction parce que son fils lui demande une bénédiction. Mais il voulait lui donner la bénédiction qui vient des entrailles. Parce que la bénédiction qui vient des entrailles se fait sur le cœur chacun. C'est une bénédiction incontrôlée. Ça ne dépend plus de toi. C'est une bénédiction que tu libères sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Alors il dit, va, fais-moi manger, que je mange, que mon âme, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma bouche, c'est mon âme qui te bénit. Et l'âme est rattachée à quoi? Elle est rattachée au sang. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Et ça t'a dit que si vous sentez dans cette dimension, c'est comme si vous étiez en train de faire un sacrifice. C'est comme si vous étiez en train de répandre du sang. Or, lorsque le sang est répandu quelque part, le sang appelle forcément une divinité parce que c'est un autel qui s'établit. Lorsque vous servez Dieu, vous êtes en train d'établir une loi de sacrifice. Vous êtes en train d'invoquer un Dieu. Le service est une adoration. Alors la Bible dit que Marie était assise à son pied. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Elle était en train d'adorer. Elle est en train de recevoir les instructions. Elle est en train d'entendre le Seigneur lui donner des orientations. Et tandis que l'autre, elle est en train de s'agiter. Elle bougeait dans tous les sens. Est-ce que le Seigneur a dit qu'il était venu manger? Ça, il faut t'asseoir pour savoir ça. Est-ce que le Seigneur a dit qu'il avait faim? Ça, il faut t'asseoir pour savoir ça. Il y a des choses que vous ne saurez pas tant que vous ne vous asseyez pas. Arrêtez de courir un peu partout. Aujourd'hui, c'est la course à la célébrité du nouveau venu. Mais tu as commencé un processus. Tout moins de Dieu, tout homme de Dieu travaille dans une saison. Les hommes de Dieu avec qui Dieu travaille sur une saison de 3 mois, d'autres une saison même instantanée, d'autres une saison de 6 mois, d'autres une saison d'un an. Donc c'est un cycle qui a commencé. Et quand tu rentres dans le cycle d'un homme de Dieu, assure-toi d'aller jusqu'au bout du cycle. Mais le problème, c'est que tu es rentré dans un cycle. Tu ressors de ce cycle. Qu'est-ce qui se passe? Tu remets ton cœur à zéro. Tu comprends? Et tu rentres encore dans un autre cycle. Et tu ne vois rien. Et tu rentres encore dans un autre cycle. Et en fin de compte, on t'a tellement imposé les mains que tu es devenu chaud. Tu as tellement reçu l'une onction sur toi que tu brilles comme ça. Des fois même quand on pose la main sur toi, la main a des plus tellement lui donc sur toi. C'est dangereux. Parce que chaque imposition des mains sur ta vie est une empreinte. Si on devait faire le scanner spirituel de certaines personnes, ça allait être difficile de reconnaître ces personnes. Tellement il y a des empreintes. Tellement tu laisses n'importe qui
n'importe quel moment, elle touche ta vie. Mais quand quelqu'un touche ta vie, il transfère dans ta vie ce qu'il est et ce qu'il a fait. Donc autant te connecter à quelqu'un que tu apprends à connaître en t'asseyant. Parce que des fois, en t'asseyant, tu peux mieux voir les choses. Des fois, ce que tu ne vois pas debout, en t'asseyant, tu apprends à mieux regarder, à mieux observer. Ce soir, ma prière, c'est qu'en finissant ce programme, tu t'asseyes, que tu commences à regarder ta vie. Amen. Et que tu commences toi-même à entrer au fond de toi. Comme le fils prodigue. Demain, nous parlerons du fils prodigue. La dimension de s'asseoir et d'apprendre à entrer en soi. Voyez, entre en toi-même et puis commence à regarder. Des fois, ce n'est pas Dieu qui est le problème. Des fois, ce n'est pas les hommes de Dieu qui sont le problème. Des fois, c'est toi-même. Tu n'apprends pas à ta soi. Que Dieu nous aide. Bien-aimé. Que Dieu nous aide. Cette année 2016, on est quand en février, mars et bien. Que Dieu nous donne. Dis à Dieu, Seigneur, cette année, je veux m'asseoir jusqu'à la fin de l'année 2016 pour voir ce que tu vas produire comme résultat dans ma vie, dans ce ministère. Amen. Que on puisse me reconnaître même à la place que j'occupe tous les jours. C'est ça, infidèle. N'est-ce pas qu'on dit que tu es fidèle? Mais toi, tu es fidèle au ministère, dans leur globalité. Mais tu es fidèle au ministère. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous soit en aide. Au nom de Jésus. Que Dieu dise amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Si ce moment a fait du bien, tu peux te tenir debout et donner une acclamation au Seigneur Jésus-Christ qui a rendu possible cet enseignement, qui a rendu possible ce temps de partage. Pose juste la main sur ton cœur et prie par rapport au message que tu viens de recevoir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qui a été béni? Amen. Acclame le Seigneur. Venez vous asseoir. Les cafés pétali à la main. Namadio. Namakasio. Thank you.
Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Qui a été puissamment édifié. Amen. Moi, la parole de Dieu m'a fait du bien. Amen. Est-ce qu'on peut